Bonjour, je suis Awa Pendeliaï, juriste fiscaliste, spécialiste des questions relatives à la politique fiscale. Je suis une Sénégalaise, diplômée de la faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une grande passionnée de la fiscalité. Actuellement, je travaille en Haïti dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne qui vise la réforme de l'État haïtien. J'interviens principalement sur deux orientations stratégiques, l'appui à l'administration fiscale et la mise en œuvre du plan de rationalisation des dépenses fiscales. Avec ces projets, nous visons bien sûr à élargir et à fiabiliser l'assiette fiscale, à améliorer le taux de recouvrement, à renforcer les capacités et les compétences des cadres de l'administration fiscale, mais surtout à accompagner l'administration fiscale dans le cadre du pilotage organisationnel et du renforcement structurel. Nous avons eu beaucoup d'acquis dans le cadre de nos projets parce que on a formé pas mal d'agents qui sont revenus dans l'administration fiscale et qui ont fait prévaloir leurs compétences. Nous avons aussi réussi à améliorer la communication interne et externe au sein de la DGI, c'est-à-dire la communication avec les contribuables et la communication même au sein des entre agents et entre cadres. On a mis en place un infocentre. On a aussi créé des supports de communication qui permettent aux contribuables volontaristes qui veulent bien payer l'impôt à avoir accès plus facilement à l'information fiscale. Pour cette première année, nous visions à faire gagner à l'État haïtien plus de 900 millions et là on est à 700 millions alors qu'on n'a pas encore terminé l'évaluation. Donc en termes d'impact, le projet est en train d'améliorer les capacités de mobilisation des ressources intérieures pour l'État haïtien.